Chers petits observateurs, mercredi 18h, alors aujourd'hui c'est un grand moment, on va parler d'une renaissance française qui a bluffé tout le monde, qui montre qu'il y a toujours de l'espoir dans l'automobile. Il s'agit de la nouvelle Alpine A110, quelle chance on a eue. C'est Pascal qui m'a appelé en me disant, voilà, j'ai choisi cette voiture et j'ai eu envie qu'il vienne pour qu'il nous raconte comment on choisit une Alpine A110 aujourd'hui en 2019. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Ça va bien? Super. Parfait. Merci. Bah, je vous en prie. C'est merci. On est émus depuis ce matin à regarder la France en mouvement. C'est un vrai plaisir de partager, surtout avec vous. Bah ouais. Donc, je suis ravi. Alors, voilà. Avant de commencer, j'ai des milliards de questions. Le petit détail qui, chaque jour, vous enchante. La question pas facile. J'y réfléchis évidemment un petit peu. J'espère. Voilà. Que les gens, ils passent le bac. Alors, il y en a plein, mais il y en a une, en fait. C'est que le matin, j'arrive souvent du côté passager de ma voiture. Ouais. Et le A est dissymétrique du côté gauche par rapport au côté droit. Non. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez un A qui garde le logo d'origine côté gauche, et côté droit, vous avez le A qui est dans le sens, entre guillemets, de l'aérodynamisme. Il est orienté par ici, le A est orienté par ici, et l'autre aussi. Et j'avais jamais vu ça. Et a priori, ça a suscité pas mal de questions En interne, pour savoir est-ce qu'il fallait inverser le logo d'un des deux côtés pour que ce soit parfaitement symétrique en termes d'aérodynamie pour un effet de style ou pas. Je crois qu'ils ont mis 2-3 jours à... Ah ouais, ça, il faut le savoir, j'apprends voilà, un truc, c'est un petit détail. Pascal, ça évoque, parce que je sais pas, vous avez la quarantaine, ça évoquait quoi pour vous, Alpine? Pour moi, c'est l'enfance. Ouais. C'est aussi, c'est un souvenir de vacances quand j'avais 5 ans. Mon médecin en avait une A610, qui est une Alpine aussi, un peu dans les années 80-90. J'avais un souvenir un peu étonnant, c'est-à-dire une voiture qui n'en fait pas trop, une voiture plutôt pour se faire plaisir, et qui renvoie une image qui n'est pas forcément celle que l'on n'est pas. Voilà, je ne vais pas citer d'autres marques, mais lorsqu'on roule dans des vrais sportifs, parfois ça renvoie une image, et celle-ci est plutôt... elle inspire la gaieté, le sourire. Voilà, donc... Mais je précise, hein, vous n'aviez jamais roulé en Porsche ou quoi que ce soit. Non, j'avais des amis qui en avaient, donc je suis déjà monté dans les Porsche, conduit des Porsche, j'étais sur circuit une fois ou deux, mais ça a été un déclencheur, cette voiture. C'est pas, y a pas véritablement de poursuite. Le côté patrimoine français, ça oui, joue. Oui, bien sûr, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est mon daily. Ouais, attendez, vous avez trouvé, c'est votre voiture de tous les jours. C'est-à-dire que c'est une double interrogation pour moi. C'est la première fois que vous venez une voiture de sport avec ça et vous en servez tous les jours. C'est pas juste pour le week-end. Exactement. Et c'était votre cahier des charges. Exactement. Vous aviez un cahier des charges. Assez précis. Et l'idée, c'était de faire un comparatif. Et en fait, cette voiture, elle rentre dans plein de cases. Et aujourd'hui, à Paris, conduire, c'est compliqué. On peut plus conduire vite. Se faire plaisir, c'est de plus en plus compliqué. Et lorsque je l'ai essayé en concession, et je suis rentré dedans. Et j'ai senti quelque chose de différent. Je ne sais pas si c'est la répartition des masses, si c'est la direction qui est très agile, mais c'est une voiture simple, facile, entretien facile, et on sent quelque chose quand on est à... Enfin, moi, je ressens quelque chose quand je suis à son volant. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais j'ai longtemps hésité avec une 718, avec... C'est autre chose. Mais moi, pour mon quotidien, c'était parfait. Ça rend facilité. Mais vous avez tout de suite été séduit, justement. Est-ce que cet intérieur correspond pour vous, justement, à l'extérieur? Et quand vous êtes monté dessus, ça vous a... Ça. Parce qu'en fait, c'est pas trop. C'est-à-dire qu'il y a les écrans, on en reparlera. Moi, je trouve, je le mets toujours au minimum, juste avec 2 manomètres. On le verra peut-être tout à l'heure. Et finalement, il n'y a pas 150 000 boutons. Je suis concentré sur mon volant, je me fais plaisir. C'est plutôt le ressenti qui est intéressant. Mais on va aller faire notre petit tour. Mais... Vous avez une Espace 5, hein, vous m'avez dit. Vous ne travaillez pas chez Renault, hein. Non, c'est le hasard. Et je n'ai jamais été pro Renault. Ouais, bon, j'ai eu des Volkswagen, des Mercedes. Ouais, ouais. Ouais. Mais en même temps, vous m'avez dit, je cherchais à retrouver des sensations. C'est-à-dire que c'était une quête de conducteur malgré tout. Alors, en fait, j'ai mon père qui avait une Volvo 340 GL dans les années 80. Voiture assez beaucoup de métal, mais assez flottante, comme on peut y mettre sur les Volvo. Mais il se passait quelque chose. Et aujourd'hui, quand je monte dans les voitures depuis 10 ans, je vais dans des concessions et j'arrive pas à me décider. J'ai l'impression que toutes les voitures, même une Clio, sont des tanks. Ils sont énormes. Je, je,
Voilà. Et là, aujourd'hui, on a la plus simple expression de la voiture. Même sur une 718, il y a des cuirs partout, des écrans partout, des boutons partout. Et moi, ce que je cherchais, c'était avoir une voiture le plus simple possible. Et à l'exception de ces 5 boutons du fameux Komodo qui fait parler des années 80, finalement, finalement, c'est tout. C'est tout. J'ai mes trois boutons de vitesse, le start and stop, mon régulateur que j'ai exactement sur l'espace 5 TCE. Ouais. Et voilà. Et ça me suffit largement. Voilà. Et franchement, c'est presque plus facile pour avec l'Alpine qu'avec une Clio. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est plus facile. Et puis, il y a des aspirations. Pourquoi ? Parce qu'elle vous dit plus de choses. Mais parce que déjà, elle est plus directe. La direction est formidable. C'est ultra agile. Quand je tourne, je tourne. Et aussi, on fait du fait que la voiture soit un peu plus nerveuse, paradoxalement, on conduit peut-être plus cool. Et on sait que lorsqu'on a besoin de dérouler les chevaux, on appuie, ça part à une fraction de seconde. Je trouve qu'on est plus serein, mais en conduite. Mais après, ça, c'est chacun son impression. On y va. Fais-moi la procédure de démarrage. Alors là, c'est simple, pied sur le frein, pied sur frein, start. On démarre assez souplement. Ouais. Voilà. Et donc là, on est en utilisation ville, donc on va. Là, c'est votre configuration de tableau de bord. Voilà, c'est ça. Fermer la vitre. Oui, alors c'est ici. Ouais, la mienne. Donc, c'est connu et archi connu, mais on a un affichage digital avec un bouton sport sur le volant qui n'en fait pas trop. C'est pareil, on n'a pas 50 boutons. Une simple pression, on passe sur un mode un peu plus sportif. On commence à libérer l'échappement. Et le régime moteur monte un peu plus, la boîte de vitesse semble plus rapide. Après, vous l'utilisez ça ou pas ce mode? Alors je bascule en permanence. Ah ouais? En fait je bascule. Mais comment ça, vous, justement quand vous allez bosser le matin, vous dites je fais 40 bornes par jour, tout d'un coup vous dites tiens, il m'emmerde celui-là, tac, je passe en sport? Non, même pas, non, l'idée c'est je prends le duplex de la 86 de Versailles à la Défense tous les jours, et donc je la fais chauffer tranquillement, si vous voulez, dans le tunnel à 70, et en sortie de tunnel, je bascule en mode sport et là je passe d'un 50 à un 90 dans les limitations de vitesse de manière assez rapide. Voilà. Et c'est tout bête parce que ça dure quoi, 15 secondes? Mais c'est 15 secondes tous les jours où ça suffit. Ouais, et puis on fait corps avec sa voiture. Vous m'avez dit, c'est incroyable, vous n'avez pas enlevé le plastique. Non, je suis un peu méticulé sur certains trucs. Et vous gardez juste le mode avec trois infos, c'est ça? Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est un affichage un peu télémétrique, comme ce qui existe sur la Mégane RS. Celui-là, moi, je ne vois pas avec le reflet. Et donc, si on veut, on peut, entre guillemets, choisir son température d'huile. Enfin, on peut, entre guillemets, personnaliser ses écrans. Après, on a des choses intéressantes, enfin, vous les aviez vues, mais moi, je trouve ça assez sympa d'avoir en fait un écran minimaliste et d'avoir juste les deux manomètres. Totalement configurable. Tour, hein. Vous avancez à 15 à l'heure, comme ça, Julien peut vous suivre jusqu'au tournant à droite. À droite, hein. Ouais. Mais donc tous les jours, ce plaisir de l'authentique, si je puis dire, il est là et sans, encore une fois, sans dépasser les limitations, les limitations de vitesse. Donc c'est ça. Parce que vous faites même pas du circuit avec. Enfin, alors j'en ai déjà fait, mais franchement, c'est pas mon truc. Ouais. C'est pas mon truc et c'est pas ce que je cherchais. C'est-à-dire que si on veut du circuit, à la limite, on prend une Porsche GT3. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup les routes sinueuses. Si vous voulez, l'idée, c'est on redécouvre les petites routes. Les autoroutes linéaires, on peut le faire, mais évidemment. Et en plus, ça se passe bien. La voiture n'est pas si difficile que ça. C'est pas trop tape-cul. Franchement, c'est pas. Ça sera jamais une suspension pilotée de C6. Ouais. Mais l'idée. C'est bien en référence. C'est bien. Non, mais l'idée, c'est. Voilà. C'est ni trop raide. Enfin, franchement, cette voiture, elle est travaillée. Elle est bien. Elle est utilisable au quotidien. Ouais. Donc, on est aux alentours de 60-62 000 euros. Bon. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture qui est assez intelligente de par sa conception, parce qu'on n'a pas une puissance démesurée. Il y a combien? Il y a 250 chevaux, ouais. 252 chevaux. Paraît-il qu'il y en a toujours un peu plus. Ouais. Enfin, on n'atteint pas les 280 chevaux de la Mégane RS. On est plus que sur mon espace 5 TCE de 225.
mais on a surtout une émission de CO2 qui est ultra intéressante. C'est 128, c'est ça ? C'était 138 au niveau de la première édition, ouais. Et depuis 2019, je me regarde au moment où on est à 140, 144. D'accord. Ce qui fait le malus écologique qui tourne entre 830 et 1050 euros, ouais. Je ne sais plus, en fait, ça dépend. Moi, je l'ai commandé en 2018, donc il faudrait que je revérifie. Et puis, c'est pas si cher que ça, parce que si vous prenez une... C'est pas bien de citer la concurrence, mais vous prenez une 918 S, qui fait entre 178 et 185 grammes de CO2, vous avez déjà un malus écologique qui oscille entre 7500 et 8500. 7 fois plus cher. Donc c'est entre 4 et 7 fois plus cher en fonction de ce que... On rappelle, s'il y en a qui ne sauraient pas, que c'est une propulsion avec moteur arrière, hein, qui est quand même aussi... Exactement. Ça, c'est la carte, ouais. La fameuse clé. Ah, c'est la clé, ouais. La fameuse clé de Scénic 2. Alors, petit coffre. Petit coffre à l'arrière, qui est censé être utile pour mettre deux casques, qui est assez profond sur les ailes. Oui, il y a aussi les bombages, c'était ça, pour pouvoir mettre des casques. Exactement. Et vous avez deux petites pochettes, c'est quoi ? Alors là, ça c'est fourni en série par Alpine. Ouais. Là, on a les manuels d'utilisation, différentes petites notices. Parce qu'il n'y a pas de boîte à gants. Exactement, il n'y a pas de boîte à gants. Ici, vous avez le gonfleur, il n'y a pas de rose secours, plus l'anneau de tractage lorsqu'on va sur un circuit, qui va se mettre à l'avant. Énorme. Voilà, c'est de l'aluminium, ce qui fait que c'est assez fragile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture a des défauts. Elle est assez malléable aux pressions. C'est-à-dire ? Lorsqu'on ferme, par exemple, le coffre, il faut y aller doucement. Sinon, on risque de déformer un peu... Un peu la bulle. Vous m'avez dit, juste sur les jantes, je reviens, c'est pas les jantes de série, ça. Alors, c'est... Et vous m'avez dit, qu'est-ce qu'elles ont, celles-là, aussi? Alors, en fait, il y a trois types de jantes, enfin, il y a quatre types de jantes, maintenant, avec la S, mais aujourd'hui, sur une pure, vous avez des jantes 17 pouces, avec des freins petit diamètre, et sans étrier de frein bleu. Et celles-ci sont 18 pouces, elles ne sont pas forgées. Sinon, il faut passer sur du Fuchs. Mais j'ai préféré le style de celle-ci. J'étais pas à quelques kilos. Et là, le logo bleu et l'étrier bleu. Alors ça, c'est une option. Ouais. Les deux sont des options, en fait. Mais c'est indiscret de vous demander l'option, par exemple, d'avoir le petit cache bleu sur le volant. En gros, chaque option, c'est 80 euros. Ah, c'est pas des sommes énormes, mais c'est comme ça qu'on marche. Non, mais voilà, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Si vous mettez tout bout à bout, par exemple, le logo Alpine sur les réservoirs, sur les côtés, ce sont aussi des options. Non, vous n'aviez pas. Exactement. Même le dites maintenant, je me rappelle. 80 balles aussi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est 80 plus 80. Toujours est-il... Julien. Vous savez qu'avec ça, elle ne se déformera plus. L'alu va gagner en... Alors, ce qui est assez intéressant... Ah, c'est sympa. Deuxième, c'est sur l'espace. C'est sympa. Ouais. Mais je l'ai déjà sur l'espace. C'est bien. Juste une question. Voilà, donc, pour une précision, les jantes Fuchs 18 pouces sont plus légères. Ouais. Et a priori, lorsqu'on a des parties roulantes, le fait d'avoir des kilos supplémentaires sur les jantes multiplie par 2 ou 3, si vous voulez, le poids d'une jante, ou par 4. C'est la conso. La conso, c'est toujours un sujet compliqué. mais franchement, quand je roule très cool, je fais du 7-8, ce qui n'est pas fou. Enfin, cool, ça s'entend. Ouais. Mais je joue avec les palettes quand même, donc je monte un peu dans les tours. Et sinon, franchement, en consommation instantanée, évidemment, ça monte. Mais sur la moyenne, on est aux alentours de... On est entre 9 et 10 litres 5. Franchement, après, je sors d'une période de rodage, c'est-à-dire qu'il y a 1000 km sur lesquels on nous... Oui, parce que vous l'avez que depuis un mois. Ouais, c'est ça. Alors, moi, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il y a une rareté. Il y en a eu quoi, je crois, pour le moment 4000 de livrés. Ouais, par rapport à une Porsche, c'est sûr qu'on est beaucoup plus exclusif. Alors, c'est assez bizarre, parce que je ne sais pas comment ils gèrent leur numéro de série à Dieppe. Moi, j'ai un numéro 7000. Ouais. Donc, on imagine qu'il y a eu quelques voitures de presse, les 1950 exemplaires de la première édition, et puis après le reste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Porsche produit 200 000 voitures par an. Eux, s'ils arrivent à 10 000, on sera contents. Ouais, hein. Tout à fait. Donc, on est quand même bien content de l'avoir, celui-là, devant aussi. Exactement, exactement. Et donc, vous avez Vous avez quand même le blouson, la casquette. C'est un cadeau de ma famille. Ah ouais ? Voilà. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Après, c'est un peu too much. Bon, mais c'est sympa quand même. C'est sympa. Là, on a le contrôle pour l'eau. On a les niveaux. En fait, on a la batterie qui est en dessous. Il faut déclipser, mais je vous avoue, je me suis pas trop amusé à le faire.
Et on a un chargeur de batterie, là, un connecteur pour brancher un chargeur de batterie en dessous en cas où de... Après, c'est vrai que c'est assez... On voit pas beaucoup de parties mécaniques. C'est une, c'est pas hyper ultra calfeutré. Il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de, pas de petites mousses. C'est alors, simple, mais voilà. Comment vous réagissez regardez, il y a même une I8 qui regarde l'Alpine avec une I8 Spider. Comment vous réagissez? Ils avaient dit non, on veut rester avec une puissance raisonnable. Il y avait eu tout un débat. Puis ça y est, ils ont craqué. Ils lancent la version S qui fait 300 chevaux. C'est-à-dire, on passe à l'étape d'après. Est-ce qu'on comprend la logique, hein? Mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans le toujours plus? Et si. Comment vous... Si, c'est justement ça. J'ai eu très peur. Et en étant sur un... Je suis nouvellement inscrit sur un forum d'Alpine Renault, qui est super d'ailleurs. Il y avait plein d'interrogations sur cette version S. Est-ce que c'est légitime ou pas? Et moi, j'avais très peur parce que je me suis dit, tiens, j'ai pris la mienne il n'y a pas longtemps. Elle va décoter forcément. Ils vont sortir une nouvelle version avec un nouveau moteur. Et puis en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'on gagne 40 chevaux, mais à partir d'un certain régime moteur. Que finalement, elle est orientée plus piste qu'autre chose. Je pense que ça répond à une clientèle qui était désireuse de faire de la piste, alors que ce n'était pas l'esprit de la voiture à la base. Et en fait, je trouve que celle-ci est toujours légitime en termes d'esprit. C'est plutôt une voiture faite pour la route, pour les routes sinueuses. Et ils segmentent leur marché. Après, mais vous pourriez être client ? Non, moi je ne suis pas du tout client pour ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça ne me donne pas envie de passer à la S. Je n'en ai strictement rien à faire de gagner 40 chevaux à partir de 6000 tours ou 4500 tours minute. Ce qui me fait très peur, en fait, c'est le vieillissement de ces écrans, des typologies. Et je me dis, tout ça, dans 10 ans, ça va être très daté. Même l'écran, c'est sympa, mais je préférais presque des compteurs à aiguilles chromées ultra, enfin analogiques. Et là, c'est parfait. Voilà. Bon, ça sera le mot de la fin, c'est parfait. Merci Pascal. Ouais, merci. Merci Alpine. Si vous aussi, vous avez une voiture qui vous plaît, que vous aimez, qu'elle soit sportive, qu'elle soit une populaire, qu'elle soit chère, pas chère, on aime tout ce qui roule, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile avec DS tout attaché à gmail.com. Soyez patient. Et puis, on vous appellera si elle retient notre attention et rendez-vous pour venir nous en parler. Voilà, merci, à très bientôt.